Bonjour, bonjour. Je vous présente donc une brassière bébé. Donc, ici, elle sera, commence par le haut pour finir vers le bas. Donc, du point mousse, du jersey avec un petit motif à trou-trou que je trouve super mimi. Du point mousse et du point de riz. Et on termine par du point de mousse. Ça lui donne un petit côté molletonné. Je trouvais ça super sympa. Donc les manches pareilles, hein, du point de riz et on termine par du point de mousse. Rien de compliqué. Hop. C'est juste une répétition de petits trous-trous qui permettent d'augmenter tout en faisant un petit modèle, un petit motif en fait. Et si vous suivez bien toutes les indications, il n'y a aucun problème. Donc moi j'ai pas mis de boutonnière. Donc si vous souhaitez mettre des boutonnières, donc à vous de les mettre où ça vous intéresse en fait. Moi j'ai mis ici ma première pression. Là, ici entre les deux et là. Donc, du coup, quoi dire d'autre? Bah, pas grand-chose. On va se retrouver. Alors, si, ça serait bien de vous indiquer. Donc, je n'ai plus mes petits papiers de laine, bien sûr, vu que j'ai pris pour aller dans le camion. Alors, c'est de la laine 3/4. Je suis en train de regarder autour de moi. Non, je l'ai plus. Donc, c'est de la laine 3/4. Hop. Donc, c'est une brassière bébé taille 6-9 mois. L'aiguille numéro 4, donc des aiguilles droites. Moi, je tricote toujours avec mes circulaires, mais des aiguilles droites sont les bienvenues parce que je vais tricoter comme si j'en avais. Faudra des arrêts de maille, bien évidemment, et des petits marqueurs pour ne pas oublier la bordure de chaque côté, évidemment. Bon, pour celles qu'on n'a pas besoin, c'est pas obligatoire. Moi, je le fais pour pas que je zappe mes bordures. Une fois qu'on a que je vous ai présenté ça, donc la laine, hein, du 3/4, j'ai pas mis là, hop. Voilà. J'ai oublié de le mettre. Donc, on va monter 80 mailles. Alors, j'ai commencé la vidéo parce que j'étais partie à ne pas filmer. Puis, je me suis dit, ben si, ça serait sympa. En plus, je fais pas souvent des brassières 6-9 mois. Donc, je me suis dit, si, si, ça serait sympa de la filmer. Ça fera une brassière supplémentaire. Et surtout pour la taille, il y a beaucoup de personnes qui aimerait avoir ces tailles-là. Donc voilà, petit cadeau. Donc on monte 80 mailles. Une fois que les mailles sont montées, on se retrouve. À tout de suite. J'ai commencé, je me suis dit ce serait bien de filmer aussi. Donc pour la brassière, donc c'est en aiguille numéro 4 de la laine 3/4. J'ai monté 80 mailles. Je ne sais pas si vous voyez, hop, j'ai monté 80 mailles. Ces 80 mailles, j'ai fait 6 rangs au point mousse. Voilà ce que ça donne. Donc 3 barres, 1, 2, 3 barres. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je sépare. Ah, je vais mettre des. C'est pas que je sépare, je vais mettre des marqueurs. Hop, je les attrape. Je vais mettre tout simplement des marqueurs pour la bordure, pour pas oublier mon changement de point.
Donc, c'est-à-dire, comme j'ai marqué ici, on va faire 5, donc c'est 5 mailles au point mousse, donc ça sera toujours des mailles à l'endroit. Après, on aura du jersey et 5 points mousse. Pour la fin, ça sera la deuxième bordure. Donc, pour cela, on va tricoter comme ceci, en fait, 6 rangs. Donc, hop, je vais mettre mes petites... Donc, ma première maille, je la tricote jamais, c'est ma maille lisière. Donc, 1, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles. Une fois que j'ai fait mes 5 mailles, je mets mon marqueur pour pas oublier que ça sera ces 5 mailles-là, tout le temps tricotées à l'endroit. Comme je suis sur du jersey, donc là on est sur l'endroit du travail, donc ça sera tout à l'endroit. Normal. Hop. Et on n'oublie pas, à la fin du rang, les 5 mailles qui fera la bordure aussi. Alors, je ne fais pas de boutonnière, parce que je vais mettre des boutons pression. Si vous voulez des boutonnières, à vous de savoir, enfin, à vous de calculer à quel moment vous souhaitez commencer à les mettre. Et puis ne pas les oublier au fur et à mesure de votre tricot, en fait. Hop. Donc je vais faire le premier rang avec vous pour vous montrer. Enfin, le premier et le deuxième. Hop. Donc là, je fais tout le rang à l'endroit. Je vais juste mettre un marqueur à la fin pour pas oublier que mes 5 mailles là sont à tricoter tout le temps à l'endroit. Tout simplement. Deux, trois, quatre, cinq, encore trois, une, deux, trois. Donc il me reste une, deux, trois, quatre, cinq mailles. Je prends le marqueur et ça fera la bordure. Deux, trois, quatre et cinq. Je tourne mon travail. Donc ces cinq premières mailles, je les tricote à l'endroit parce que ça sera du point mousse. Hop. Je passe le marqueur. Et comme là on fait du jersey, donc tout à l'envers. Donc on tricote toutes les mailles à l'envers. Hop, jusqu'au marqueur. Et ces mailles-là, ça sera des mailles à l'endroit. J'arrive à la fin de mon rang. Donc je continue à l'envers jusqu'au marqueur. Hop. Je passe le marqueur. Et donc là, les 5 mailles se tricotent à l'endroit. 1, 2, 3, 4
et 5. Et on se retrouve quand on tourne notre travail. Vous le voyez, du point mousse. Ici, on est en jersey. Hop, jersey et point mousse. Jersey et les 5 mailles au point mousse. Donc là, on a fait 2 rangs et il en faut 6. On se retrouve. Voilà ce que ça donne. Donc les 6 rangs. Donc, ma bordure, donc les 5 points droits, donc les points mousse. Et le jersey. Jersey. Et on termine par 5 points mousse. Donc 5. Ces 5 mailles là, on tricote toujours à l'endroit. C'est la bordure à ne pas oublier. Une fois qu'on est à ce stade là, on va commencer à, je suis pas centrée du tout, on va commencer à l'agrandir, d'accord, hop, zoup, tout en faisant des motifs ajourés. Pour cela, alors avant de me lancer, je vais vous expliquer. Donc, on a fait ceci, les 6 rangs, d'accord? Le premier rang, donc, ce que je vais vous expliquer, se travaille sur 4 rangs, ok? Le premier rang, ça sera le rang des augmentations, donc il y aura des petits trous, les ajours, pour faire le petit motif en fait. Donc ça sera le premier rang, il y aura un rang de petits trous, le rang, donc deuxième rang normal, troisième rang normal, quatrième rang normal. Donc à chaque fois ça sera comme ça. Donc le premier rang, donc le rang des trous, donc il y aura 5 points mousse, normal, la bordure, 3 mailles en droit, un jeté, une maille, un jeté, 6 mailles en droit, un jeté, une maille, un jeté, et on continue ainsi de suite. Et on finit par 6 mailles en droit, un jeté, une maille, un jeté. Il restera 3 mailles en droit normales, vu qu'on a commencé par 3 mailles en droit. Et on termine par nos 5 mousses qu'on a aussi au démarrage. D'accord? Donc, pour que ça soit plus clair, je vais vous le tricoter avec vous. Donc, on a dit, donc les premières, c'est toujours à l'endroit, vu que c'est du point mousse. Donc, 2, 3, 4, 5. Je passe le marqueur. Comme on est sur l'endroit du travail, donc là, on voit bien le jersey. Donc, on tricote tout à l'endroit. Donc, je tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, ok, un jeté, je viens enrouler sur mon aiguille, je tricote une maille à l'endroit, un jeté, et là je compte 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, un jeté. Je tricote une maille, un jeté, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, une maille, un jeté, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, une maille, un jeté, 6 mailles, 1, 2, repousser un peu ici, tirer un peu de fil aussi, donc j'ai dit 2, 3, 4, 5 et 6, un jeté, une maille, un jeté, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Un jeté, une maille, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, une maille, un jeté, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, une maille, un jeté, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, une maille, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, une maille, un jeté, et il me reste 3 mailles, comme au démarrage. Donc 1, 2, 3, je passe le marqueur, et donc mes 5 mailles, tout à l'endroit, vu que c'est du point mousse. Je tourne mon travail. J'ai un nœud, tout loulou. Voilà. Hop. Donc j'ai dit, je tourne mon travail. Hop. Je tricote mes 5 premières mailles. Maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5 mailles au point mousse, je passe le marqueur, et là, comme on est à l'envers du travail, on tricote tout à l'envers. Donc là, vous voyez, le maille normal, là, j'ai le jeté, je le tricote, ce qui va me faire les petits trous-trous. Pour le motif. Donc je tricote vraiment tout à l'envers, sauf les 5 premières et les 5 dernières du rond pour la bordure. Ça, c'est le rang numéro 2 du motif. Hop. Voilà, j'arrive au marqueur, donc je passe le marqueur, et là je fais tout à l'endroit, vu que c'est les 5 mailles de la bordure. Hop, bon alors, voilà.
je tourne mon travail. Donc, on voit ici, hop, ça fait des petits trous-trous. Donc, c'est tout à fait normal. Donc là, maintenant, le rang numéro 3, il va être, hop, que je récupère. Hop, 5 mailles à l'endroit vu qu'on est sur le point mousse. Donc la bordure, passe le marqueur. Et là, comme on est sur l'endroit du travail, on va tricoter tout à l'endroit. Tout simplement. Le jersey normal, donc le rang tout à l'endroit, vu qu'on est sur le devant du travail. Une fois arrivé au marqueur, donc on passe le marqueur et on fait les mailles tout à l'endroit. Hop. Hop, hop. On tourne notre travail, donc pareil, on va refaire la même chose, mais tout à l'envers. Donc, hop. Les premières toujours à l'endroit vu que c'est toujours la bordure et le point mousse. Voilà, passe le marqueur. Et ici, comme on est sur l'envers du travail, donc on tricote tout à l'envers. Et une fois qu'on a tricoté le rang, sans oublier les dernières qui est au point mousse, à pas oublier.
Voilà. Une fois qu'on est arrivé là, hop, on passe le marqueur. Et on fait 5 mailles tout à l'endroit. Donc ça, c'était le rang numéro 4 de premier motif. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini la première augmentation. Ça se travaille sur 4 rangs. Voilà. D'accord. Les petits trous qui sont là. Donc, hop, avant de continuer, hop, je vais vous le noter sur le papier. Donc, une fois qu'on a fait les jetés, donc on tourne notre travail. Donc, on se retrouve avec 5 mousses. OK. Après, c'est du jersey en vert et 5 mousses. OK. On tourne notre travail. On est sur l'endroit. Donc, 5 mousses. Puis, du jersey en droit. Puis, 5 mousses. C'est la bordure. Tourne notre travail. On se retrouve avec toujours la bordure. Le jersey en vert, ce qu'on vient de faire. 5 mousse. Ok, ça c'est ce qu'on vient de faire. On attaque la deuxième diminution. Je vais mettre le petit 2 ici. Donc on va faire 5 mousse. Donc la bordure, comme on a fait ici. Là on avait 3, on va passer à 4. 4 mailles en droit. Un jeté, une maille, un jeté. Ici, on va se retrouver, donc on avait 6, on va se retrouver avec 8 en droit, un jeté, une maille, un jeté. Et on va finir par 8 en droit, un jeté, une maille, un jeté. On finit par 4 endroits et les 5 mousses. Ok. Une fois qu'on aura fait ça, donc on se retrouve ici après. Donc 5 mousses, jersey en vert, 5 mousses. On tourne notre travail, 5 mousse, jersey en droit, 5 mousse, 5, on tourne notre travail, 5 mousse, on se retrouve avec du jersey en vert et 5 mousse. Hop, ce que je viens de vous expliquer, voilà ce qui est. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Ça, c'est le deuxième motif. Donc, je vais faire les petits trous-trous avec vous. Le rang suivant, ici, les 3 autres rangs ici, je vais vous laisser faire tout seul. C'est exactement les 3 rangs qu'on vient de faire ici aussi. D'accord? Ce sera toujours la même chose. Donc, je reprends mon tricot. Hop. On a dit 5 mousses, donc la bordure normale, on n'oublie pas. Hop. Donc, ma maille lisière, comme d'habitude. 2, 3, 4, 5. Hop, je passe le marqueur. Et ici, on a dit 4 mailles en droit. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok, un jeté, une maille, un jeté. Et on est parti sur 8 mailles. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Un jeté, une maille, un jeté, 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ne me suis pas trompée. Un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Je sais pas, j'avais le chiffre 6 dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu peur que je m'étais trompée. Donc, un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, parce qu'on est sur l'endroit du travail. Donc, on tricote tout à l'endroit. Donc, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un jeté. Une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on a un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles, un jeté, une maille, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un jeté, une maille, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc un jeté, une maille, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un jeté, une maille, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un jeté, une maille, un jeté. Et il me reste 4 mailles comme au démarrage. 1, 2, 3 et 4. Je passe le marqueur et 5 points. 5 mailles pour la bordure. Au point mousse. Hop. Donc voilà, on a fait notre deuxième rang de petits trou-trous. Donc là, on tourne notre travail. 5 mailles à l'endroit, comme on a mis là, 5 mailles à l'endroit. Jersey envers parce qu'on est sur l'envers du travail. On n'oublie pas qu'à l'autre extrémité, il y a la bordure. Donc 5 points mousse. Tourne notre travail. 5 points mousse. Le jersey en droit. Puis 5 points mousse. On tourne notre travail. 5 points mousse. Donc tout à l'endroit. Jersey envers parce qu'on est sur l'envers du travail. Et 5 points mousse pour avoir le point mousse. Tout à l'endroit. J'espère que ceci, vous avez compris. Une fois que vous avez fait ces trois ronds-là, je ne sais pas si vous voyez de loin comme ça, hop, donc ces trois ronds ici que je viens d'expliquer, vous les faites et on se retrouve. Donc, on a fait un, deux motifs. Le troisième motif, donc pareil, 5 points mousse pour la bordure. Ensuite, 5 mailles en droit, parce qu'on est sur l'endroit du travail. Un jeté, une maille, un jeté.
10 mailles en droit, un jeté, une maille, un jeté. Et on finira par 10 mailles en droit, un jeté, une maille, un jeté, 5 mailles en droit, parce qu'on a commencé par 5 mailles en droit. Et on finit par 5 points mousse pour la bordure. On tourne notre travail, on fera 5 points mousse, jersey en vert, puis on terminera par 5 mousse pour la bordure. On tourne notre travail, on se retrouve avec 5 mailles en droit donc pour le point mousse, du jersey en droit, et on finit par 5 mailles en droit pour le point mousse pour la bordure. On tourne notre travail, on fait 5 mailles en droit pour la bordure donc du point mousse, du jersey en vert, puis 5 points en droit pour le point mousse pour la bordure. Et on fera un quatrième et un cinquième, puis un, oula, pardon, pourquoi 8, 5, 6, je sais pas pourquoi je suis partie sur le 8, non, il n'y a que 6 motifs à faire. Et comme vous avez vu, on rajoute à chaque fois, tout à l'heure on avait 4 mailles en droit, là on est passé à 5 mailles en droit. Donc là, on est parti, je fais avec vous ce rang-là. Les trois rangs qui suivent derrière, vous le ferez vous-même. On se retrouvera pour faire le quatrième motif, donc les trous-trous, tout simplement. Donc, pour le troisième rang d'augmentation et du motif, parce que du coup, ça forme un motif. Hop, poup, poup, tout s'en mêle, j'en suis où? Là. Donc toujours le point mousse au démarrage. Si vous faites des boutonnières, n'oubliez pas de former vos boutonnières. Donc là, 5 mailles à l'endroit. On est sur l'endroit du travail, donc on travaille tout à l'endroit. Donc là, 5 mailles, 1, 2, hop là, 3, 4, 5, un jeté, une maille, un jeté, et on est parti pour 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un jeté, une maille, puis un jeté, 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, ça s'est emmêlé. Hop, me revoilà, j'ai défait mon nœud. Donc j'avais fait 10 mailles, donc un jeté, une maille, un jeté. On repart sur 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, hop, un jeté, une maille, puis un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un jeté, une maille, un jeté. Et on repart sur 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. Et il me reste bien 5 mailles pour finir. 3, 4 et 5. Je passe mon marqueur, les 5 mousses, donc tout à l'endroit. Je tourne mon travail et là, vous faites les trois rangs ici, donc 5 mousses du jersey envers, 5 mousses. On tourne notre travail, 5 mousses du jersey endroit, 5 mousses. On tourne notre travail, 5 mousses du jersey envers et 5 mousses. Et on se retrouve pour le motif numéro 4. Donc voilà, on a fait 1, 2, 3 motifs. On attaque le quatrième. Donc, ça sera 6 mailles en droit, un jeté, une maille, un jeté. Puis 12 mailles en droit, un jeté, une maille, un jeté qu'on répète jusqu'à la fin. Donc, pour finir, on finira avec 12 mailles à l'endroit, un jeté, une maille, un jeté. Donc, 6 mailles en droit qui nous restera, comme au démarrage. Puis les 5 points mousse, comme au démarrage. Donc, je vais faire cette partie-là des trou-trous avec vous, puis vous allez faire seul 5 points mousse le jersey envers, 5 points mousse, 5 points mousse le jersey endroit, 5 points mousse la bordure, le jersey envers et la bordure. Et on se retrouvera pour faire le numéro 5. Donc pour le numéro 4, on va faire la bordure, donc tout au point mousse, hop, donc tout à l'endroit, on ne change pas du tout, hop, 2, 3, 4 et 5, on passe le marqueur, et donc là on fait 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, une maille, un jeté. Maintenant, on compte 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on tricote à l'endroit, hein, vu qu'on est sur l'endroit du travail. Hop. Je tire un peu de fil. Du coup, j'avais dit. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est bien ça. Un jeté, une maille, un jeté, une maille. Enfin, une maille. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. Donc un jeté, une maille, un jeté. Et on repart en répétition. Décidément, j'ai que des notes. Hop.
Je sais pas pourquoi, ma laine a fait que des nœuds. Donc, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un jeté. Donc on a le jeté qui est là et on est reparti. 1, 2, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Un jeté, une maille, un jeté, et on est reparti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Un jeté, une maille, puis un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 et 12, un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a commencé par 6 mailles, on finit par 6 mailles. On passe le marqueur et on fait nos points mousse. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne notre travail et là je vous laisse faire les 5 mousses jersey envers parce qu'on est sur l'envers du travail. 5 points mousse. Hop, je suis plus dans le cadran. Tourne notre travail, 5 points mousse jersey en droit. 5 points mousse, on tourne notre travail. 5 mousses, jersey envers, parce qu'on est sur l'envers du travail, et on finit par 5 points mousse. Une fois que vous avez fait ça, on se retrouve pour le cinquième motif. Donc voilà où nous en sommes. Donc je laisse tout tomber. Hop. Hop. C'est plus facile quand on a une aiguille circulaire, parce qu'au final, on voit l'arrondi, hein, mais il se tricote sur des aiguilles droites. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Avec les circulaires, c'est vrai que là, en le posant, on voit bien qu'il s'agrandit. Hein.
Voilà, là ce que ça donne. Donc 1, 2, 3, 4 motifs. Il nous reste encore 2 motifs à faire. Donc pour cela, on est arrivé au motif numéro 5. Hop, nous voici, nous voilà. Donc 5 mousses, 7 endroits, un jeté, une maille, un jeté. Et après, on fait 14 endroits, un jeté, une maille, un jeté. 14 endroits, un jeté qu'on répète jusqu'à la fin. Donc on finit par 14 endroits. Un jeté, une maille, un jeté. Et il nous restera 7 mailles comme le début. 5 mailles mousses comme le début. On tourne notre travail, on fait un rang, 5 mousses, jersey envers, 5 mousses, donc la bordure. On tourne notre travail, 5 mousses, jersey endroit, et on finit par 5 mousses, la bordure. Et 5 mousses, donc on tourne notre travail, 5 mousses, jersey envers, et 5 mousses. Donc je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc on est ici. Ok, donc on est parti pour avoir l'écrit plus correct ou parce que vous n'avez pas le temps de le voir, vous faites des pauses sur la vidéo, hein, ce sera plus facile pour vous parce que moi je peux pas trop le laisser non plus trop longtemps parce que ça fait des rallonges de vidéos. Hop, et je le tricote en même temps avec vous après par la suite, donc voilà, mais ça fait toujours un plus. Donc on est parti sur les 5 mousses, donc 5 mailles à l'endroit pour le point mousse, la bordure, on passe notre, il se passe quoi ici ? Notre marqueur et on est parti. Donc on a dit 7 mailles à l'endroit, 1 2 3 4 5 6 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille, un jeté. Et on est parti sur 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, un jeté, une maille, puis un jeté. Ok ? Et on va répéter ceci jusqu'à la fin du tricot. Hop ! Une, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, un jeté, une maille, un jeté, une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Un jeté, une maille, un jeté. Mon jeté qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Un jeté, une maille. Un jeté. Hop.
Donc on a le jeté, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Un jeté, une maille, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, un jeté, une maille, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, un jeté, une maille, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un jeté, une maille, un jeté. Et il nous reste 2, 4, 6, 7 mailles. Comme au démarrage, 3, 4, 5, 6 et 7. Passe le marqueur. Hop, une fois qu'on a passé le marqueur, on fait 1, 2, 3, 4, et 5 tout à l'endroit pour faire le point mousse. Une fois que vous avez fait ce qu'on a fait ça, donc on tourne notre travail et on fait hop les 5 points mousse, le jersey en vert, 5 points mousse. Tourne notre travail, 5 points mousse, le jersey en droit, 5 points mousse. On tourne notre travail, 5 points mousse, jersey en vert, 5 points mousse, et on se retrouve. Donc vous faites ces 3 rangs. A tout de suite. Donc voilà où nous en sommes. J'ai mis mon crochet en tricot. Il est là, il est là. Hop. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, 5 motifs, et donc nous passons au sixième motif. Donc on reprend 5 pour la bordure, point mousse, 8 mailles en droit, un jeté, une maille, un jeté, et après on passe, et c'est là qu'on va répéter plusieurs fois, 16 mailles en droit, un jeté, une maille, un jeté. Et on répète 16 mailles en droit, jeter une maille, un jeté, jusqu'à la fin où on fera un 16 mailles en droit, un jeté, une maille, un jeté. Et on finira comme on a commencé avec 8 mailles en droit, 8 mailles en droit et les 5 points mousse pour la bordure à la fin. Donc ce rang-là, je vais le faire avec vous. Puis vous allez faire seul comme les autres, 5 mousses.
Donc on tourne notre travail, hein, 5 points mousse, donc tout à l'endroit, jersey en vert, 5 points mousse, donc à l'endroit. On tourne notre travail, donc on se retrouve avec 5 points mousse, donc tout à l'endroit aussi, du jersey en droit, donc les 5 points mousse pour la bordure aussi, tout à l'endroit. On tourne notre travail et on va terminer avec 5 points mousse. Donc la bordure toujours au point mousse, tout à l'endroit, le jersey à l'envers, parce qu'on sera sur l'envers du travail, et 5 points mousse, donc 5 mailles à l'endroit pour la bordure. Et on se retrouve pour la suite. Donc je fais le dernier rang d'augmentation avec vous. Hop, zoup, zoup, zoup. Je ramasse un peu mon tricot, tire un peu de fil. Hop, zoup. On est parti. Donc, on commence par notre petite bordure. Donc, ça n'a pas changé. Une maille lisière. Toutes les mailles à l'endroit. Hop, hop, on passe le marqueur. Comme on est sur l'endroit du travail, donc on va travailler toutes les mailles à l'endroit. Et on va démarrer avec 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un jeté. Une maille, un jeté. Et là, on est parti pour faire 16 mailles. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Un jeté, une maille, un jeté. Donc on a notre jeté et on est reparti pour 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15 et 16. Un jeté, une maille, un jeté. Et on va continuer à faire. Hop, je tire le fil. 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15 et 16. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Hop. Un jeté, une maille, un jeté. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Un jeté, une maille, un jeté.
Et on continue. Donc là, je suis sur le jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Un jeté, une maille, un jeté. Hop, je suis partie où là? Mon fil était coincé. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Un jeté, une maille, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, un jeté, une maille, puis un jeté. Et donc, il nous reste 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je passe le marqueur. Une fois passé le marqueur, je tricote la bordure. Donc 5 mailles à l'endroit. Si vous avez des boutonnières, n'hésitez pas. N'oubliez pas de les noter pour ne pas les oublier de les faire. Donc voilà, c'était la dernière augmentation. Donc là, on tourne. Donc on fait... Hop. Je vous laisse faire... Donc les 5 mousses, donc 5 mailles à l'endroit, le jersey envers, le mousse, mousse, jersey endroit, mousse. On tourne notre travail, donc on sera sur l'envers, 5 mousses, jersey envers et 5 mousses. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve. Donc nous voici, après avoir fini... les rangs, il me manque 2 rangs, le jersey endroit et le jersey envers. Donc c'était juste pour vous dire que bon, je vais faire mes 2 rangs et on va attaquer 6 rangs au point mousse. Donc il me faudra obtenir 3 barres. Une fois qu'on a fait les 6 rangs, donc tout à l'endroit, on tourne notre travail, tout à l'endroit, on tourne notre travail, à l'endroit, on tourne notre travail, à l'endroit, jusqu'à obtenir 6 rangs. Et on se retrouve, on va séparer notre travail en plusieurs morceaux. Vous préparez soit du fil, soit des arêtes mailles, je vais essayer de trouver ma deuxième petite, pour bloquer les manches. Donc voilà, et on se retrouve. Donc voilà où nous en sommes. Donc, je vous avais dit qu'il me restait les 2 rangs de jersey, donc ils sont faits, plus les 6 rangs point mousse.
Donc, la troisième barre est à ras des aiguilles. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, moi, je change de couleur. Après, ce n'est pas une obligation. Vous faites comme vous le voulez. Et comme je disais, on sépare notre travail. Alors, pour cela, donc là, on est là, on sépare notre travail. Donc, le demi dos. Hop, notre fil est là. 5 points mousse et 25 mailles qu'on va tricoter. Alors, j'ai commencé à mettre mes marqueurs. Hop. Parce que ce sera beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile en fait. Et je suis sûre de ne pas me tromper. La manche. Donc ici. Donc 5, 25. Ça c'est le demi-dos. Ici, 40 mailles. C'est la manche qu'on va mettre sur l'arête maille. Ici, le devant. 60 mailles. La manche 40 comme l'autre et ici le devant 25 mailles plus les 5 points mousse 30 mailles donc ça fait 30 40 50 40 30 ok donc j'ai tout marqué ici je sais pas si vous voyez le demi-dos 5 points mousse plus les 25 ça fait 30 mailles la manche 40 qu'on met sur un arrête maille, le devant 60 mailles, la manche 40 mailles en arrête maille, donc ça sera en attente, un demi-dos, 5 mousses plus les 25, ça fait 30 mailles. En tout, ça nous fait 120 mailles, donc on va tricoter le corps de la brassière au point de riz, donc pendant 40 rangs. Notez bien ce que vous faites. Donc, hop, hop, on va commencer. Zoup. Donc, comme je change de couleur, du coup, je tricote ma première maille. Hop. Si elle veut bien. Zoup. Je laisse un peu de longueur, mais pas trop non plus. Ça me servira pas à grand-chose. Voilà. Hop. Donc les 5 premières toujours au point mousse hein, parce que c'est la bordure. Ça, on ne change pas. On passe le marqueur. Et là, on commence le point de riz. Donc vous le commencez comme vous l'entendez, soit une maille à l'envers, soit une maille à l'endroit. Donc moi, ça sera une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit et on va tricoter comme ça les 25 mailles au point de riz. Donc là, je termine par une maille à l'endroit. C'est-à-dire que quand je vais arriver ici, ça sera une maille à l'envers. Donc faites bien attention de ne pas faire deux fois les mêmes mailles. J'ai plus mes arrêtes mailles.